L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence comme bon nombre d'histoires de pirates dans une taverne mal famée à bord de contrebande des Caraïbes. Vous êtes navigateur, un maître des cartes, n'est-ce pas? Cela me paraissait une évidence, pourtant. En effet, j'ai tout de suite vu clair dans mon jeu. Ah, en ce cas, vous pouvez jouer aux cartes. Aux cartes? Je ne vois pas le rapport. Pourtant, on s'en rapporte aux cartes dans mon métier. En effet, c'est à cause de l'une d'entre elles que je cherche un navigateur compétent. Car j'en ai un peu marre de me faire mener en bateau par tous ces pirates de seconde zone. C'est un peu paradoxal. Je croyais pourtant que c'est pour cela même que vous vouliez m'engager. Mais je vous rassure, avec mes cartes, je suis un as. Prenez en place. Jack, la carte pour madame. Il y en a aussi. Vous prendrez bien une boisson. Alcool, café. Leur carte d'or est intense et corsée. Ou bien préfériez-vous une chopine? Ou non, un thé, une tasse pour vous, n'est-ce pas? Si je vous engage, j'aimerais mieux éviter d'en boire une. Certes. Et donc, votre projet? J'ai une carte, ce Mastercard Trésor, retors, protégé par un sort pour laquelle j'aimerais bien commencer les sorts, car il me dit qu'elle vaut de l'or. Beaucoup d'or. Oh rien. Concernant mon sort, quelle récompense prévoyez-vous d'ores et déjà pour mes efforts? Bien, je ne sais pas trop encore, mais je suppose que vous préférez les paiements par carte, non, monseigneur? Si possible, oui. C'est plus simple pour obtenir des visas en tant que maître des cartes. Mais faites-moi donc voir la vôtre. La voilà. Ah oui, je vois. C'est bien une carte au trésor, en un sens. Un sortilège, vous dites? Dites-moi, auriez-vous reçu des chiffres avec cette carte? Oui, quatre chiffres mystérieux. Pourquoi? Bien, je pense savoir par où commencer nos investigations. Allez, en route, allons faire sauter la banque. Bon, où est le trésor? Eh bien, grâce à votre carte, nous allons opérer un retrait. Comment ça, opérer un retrait? On n'est pas là pour se la couler douce. En fonction du retrait, il ne serait pas désagréable d'envisager une retraite. Seuls les poids peuvent faire la retraite au combat. Il ne peut en rester qu'une, telle est la vérité. Mais alors, vous n'aurez plus votre équipage pour vous accabler? Ça me fait une belle jambe. Et la vôtre? En devise, pour ma part, je préfère que ce soit en or. Votre devise, c'est de voir ma jambe en or? Du coup, encore? Mais non, voyons, je parlais d'argent. Vous parliez d'or, pas d'argent? Mais l'or, c'est de l'argent. Mais c'est pas réel, ça? Non, c'est réel, plutôt. Comment ça, des céréales? Mais pas des céréales, c'est des réales. De l'argent, au propre, comme aux figurines. 16 réaux pour un escudo. Bon, excuse-moi d'accepter, mais l'or dans tout ça? Mais l'escudo, c'est l'or. Vous m'énervez à tout transformer en or en philosophant. Mais non, vous n'y êtes pas. C'est une pierre qui fait ça. Une pierre? Ah, j'y suis. Vous parlez d'une pierre précieuse, c'est ça? Mais non, de la pierre philosophale. Une pierre philosophe? Vous êtes fou? Bon, oublions cette apostrophe. Allons-y, c'est à nous d'aller affronter le banquier. Ah, enfin de l'action! En avant, et pas de quartier, à nous le trésor! Oh, affronter le banquier.